Hey yo les gens, c'est Holy Shift, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour l'épisode numéro 17, si je me trompe pas, numéro 17 de Super Mario 64 DS. Et aujourd'hui, on se retrouve en plein air pour une petite balade à l'air frais. Surtout qu'on va se retrouver à l'intérieur du château, sous le château. Comme ça, voilà, le petit passage secret spécifique à Wario. Une entrée gracieuse, s'il te plaît. Merci, c'est beau à voir, on préfère ça. Donc là, il va falloir récupérer l'étoile qui se trouve loin, 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 loin. Ça va se passer très souvent. Très souvent, on va tomber bêtement comme ça, moi je vous préviens. Je vous préviens, ça va pas être facile. Alors une autre manière de rentrer, la manière bourrine, voilà. Il y a la manière gracieuse et la manière bourrine. Donc on va y aller doucement. Voilà. Ah oui, c'est dans l'autre sens. En fait, je pensais appuyer sur la flèche du bas. Mais vu qu'on est à l'envers, ça le faisait qu'accélérer. C'est pour ça. Ouf, c'est bon. Ah ouais, par contre, faut pas que je reste à côté d'eux parce que eux, ils crachent du feu, ces petites boules noires là. Là, hop. Je pense qu'on va. On va prendre Mario directement. Pour changer un petit peu, pour que ça soit beaucoup plus simple. Alors. Mario avec une casquette rouge, comme c'est moche, visible. Sur la carte, c'est pour les pièces rouges. Et je ne veux pas des pièces rouges, l'ami. Merci quand même, ça fait plaisir. Ils sont heureusement qu'ils sont là, les bombes ombres. Sinon, on serait un peu dans la merde hein. Au niveau des pièces rouges et des canons. Hein. Enfin, je veux dire, ils font partie inhérente du jeu. J'allais courir alors que c'est bon, tout va bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. J'aime trop cette musique, c'est la musique de. C'est la musique de la foule. Hein? Ah mince, elles ne tournent pas en fait, c'est des plateformes fixes. Je pensais qu'elles tournaient quand elles arrivaient en haut. En fait ça va. Heureusement je suis pas tombé. Hein. Ouf, pile au bon moment, c'est bon. Ces pièces rouges, elles sont tellement chiantes à prendre, je pense que. Surtout sur le toboggan, c'est la partie du toboggan qui est infâme au niveau des pièces rouges. Je ne vais pas m'en préoccuper spécialement. Donc là, on a besoin de notre ami Luigi. Attention. Même quand il se transforme, il pousse ses... Comme ça, Wario. Ça m'a tué. Hein, avec la casquette verte, ça le fait déjà mieux. C'est quoi ce trou? Pardonnez-moi, j'avais pas compris l'intérêt du trou, en fait. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Attendez, attendez. Est-ce qu'il faut pas faire tout le parcours dans l'autre sens après? Avec le Luigi? Non, en fait... Non, en fait, c'était que pour les pièces rouges, ce truc-là. C'était que pour les pièces rouges, en fait, je viens de me rendre compte. Bon, au moins, je vous ai montré à quoi ça ressemble. Je vais pas couper cette partie, ça a pas de sens. Fallait bien que... Je vous présente les moindres recoins du château, ça aurait pu être cool quand même. Alors, je vais vous montrer directement... Attendez, je suis pas... Je vais reprendre Luigi. Ou Mario... Non, attendez, Mario ou Luigi. Non, je vais prendre Mario. Pour changer, je vais prendre Mario. Allez, Mario, viens avec nous. Nous avons besoin de toi. Et de ton charisme. En même temps, c'est toi le héros principal du jeu, donc si t'es pas là, si on te voit pas un petit peu, ça va pas le faire. T'as un quota à respecter, Mario, je suis désolé. Il faut un minimum de visibilité de ta part. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le monde avec... attendez, c'est quoi le monde d'après? Alors, vous voyez, là, c'est le répertoire des mondes. Donc, je les ai fait dans cet ordre-là que dont je me rappelais de tête. Et après, je crois que c'est... le tableau qu'on a en face de nous. Le monde avec les patineurs. Bon allez, c'est parti. Alors, ascenseur fléché. Je sais pas du tout si je vais les faire dans l'ordre. Donc vous voyez, je vous préviens tout de suite, le niveau d'eau est spécifique à chacune des étoiles que l'on va récupérer. En gros, ça veut dire que ça sera pas le même niveau d'eau. En fait, le niveau d'eau que vous voyez là, ça sera pas le même suivant les étoiles que l'on a récupérées. Par exemple, avec ces... À l'aide de ces machins là. Enfin là ça tourne pas parce que c'est le niveau qui est déjà présent. Mais en gros il faut trouver un moyen
de soit augmenter, soit diminuer le niveau de l'eau. Et dans le cas présent, c'est plus simple d'augmenter. Est-ce qu'il ne faut pas retourner de là où je viens? Je sais pas encore. Alors attendez que je vérifie. Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça, mais on sait jamais, on sait jamais. Donc là, on voit que la casquette de Wario et on ne voit pas la casquette de Luigi, c'est tout à fait normal. Vous comprendrez par la suite du niveau pourquoi c'est comme ça. Hop. Donc là, on atterrit ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? On change le niveau d'eau, il devient un peu plus élevé. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut atteindre la plateforme qui se trouve à notre gauche. Donc, avec un petit saut périlleux. Et de toute façon, même si on avait pris Luigi, la casquette Mario aurait apparu... Mince. Casquette Mario serait apparue à ce niveau-là du niveau. Enfin, à ce niveau-là, dans cette partie-là du niveau, plutôt. C'est plus cool à entendre. Mais ça marche pas. Attendez, je vais essayer l'autre côté. L'autre côté, c'était bien pour faire le petit saut arrière. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais mieux de là. Voilà. Voilà. Donc là, il va falloir s'occuper des ascenseurs fléchés. Comme ça. Mince. Donc faut... Il y a un certain temps, donc... Ça a bougé pile au moment où je sautais. Oh la pute. Oh la pute. Je suis désolé, mais là, ça c'est un coup de pute. Et je vais pas y arriver, je pense. Hein. Ça va vite me saouler. Donc, on garde son calme. On pense à notre vie. On pense à quel point on a galéré avant d'arriver ici. Et on se dit, ce niveau il est facile en fait. Voilà, faut bien marcher sur la flèche. Mince. Eh, je vais mettre beaucoup de temps, je pense. Peut-être que je vais faire une accélération, je sais pas. Si vraiment ça devient trop répétitif. Je suis très sérieux quand je dis ça. Vraiment parce que... J'avais oublié que je pensais pas que c'était aussi chiant. Dans mes souvenirs, c'était plus simple que ça. Peut-être parce que c'était pas avec le clavier. Oula, là, Mario, fais pas des coups comme ça, s'il te plaît. Voilà. C'était obligé. Vite. Vite, 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 c'est bon. Est-ce que c'est cette étoile-là? Oui, c'est cette étoile-là, c'est bon. On a baisé le game. Plus rien ne peut nous arriver maintenant. Non, je déconne, ça va être pire après, vous allez voir. Non, enfin, peut-être pas forcément dans ce niveau, mais les niveaux d'après, ça va être horrible. Vraiment. Et sauvegarder, continuer. Bah, bien sûr. Alors. Dans la prochaine étoile, ça va être quoi? Sommet de la ville. Donc vous avez peut-être remarqué, mais il n'y a pas de pièce rouge dans cette partie-là du niveau. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ah ouais, c'est comme ça, c'est vrai. Donc là, la méthode la plus simple, c'est d'aller dans l'extrême bas du niveau. Est-ce que c'est ça? Je sais même plus si c'est comme ça qu'il faut faire. Mais d'après mes souvenirs, c'est comme ça. Donc là, il y a peut-être un saumur à la faire. Aïe. Donc c'est pour ça que j'ai pris Mario. Mince. Attendez. Oups. Attendez, je vais réessayer une dernière fois. Mince. Et pourquoi il veut plus? Ah putain, Mario, que me fais-tu là? Que me fais-tu là? Attendez. Ah voilà. Ah très bien, c'était bloqué. Et quand on glisse le long d'une paroi, on n'a pas de dégâts. Ah, j'ai bien fait de faire cette erreur là. Ça m'aurait appris quelque chose. Vous voyez comme quoi les erreurs, on peut toujours apprendre de nos erreurs. Toujours. Alors. Ouais, monsieur Catapulte là. Ça va, il nous a pas fait mal. Pas trop, du moins. Tout va bien.
Non, par contre, toi... Ouf, ça va, je suis de l'autre côté de la map. Je suis mid-life, par contre, ça va pas être cool, ça. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des pièces là-dedans? Alors. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il en manquait une, mince. Je suis con, il y en a ici. Faut pas se faire prendre par lui. Alors, attendez. Mais comment on peut récupérer cette étoile? Je me pose vraiment la question. Peut-être qu'il y a un accès par-dessus, je sais pas. Mais attends, mais fais pas. Mais faut pas faire ça tout le temps, Mario. Alors. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Si. Attendez, je tiens un truc. Non, je tenais pas un truc. Non, c'était l'autre plateforme qu'il fallait faire tomber, non? Attendez, je suis sûr qu'il y a un truc avec les plateformes. Je vais peut-être mettre beaucoup de temps à trouver, mais... Je vais essayer un truc. Allez, emmène-moi là-haut, toi. Emmène-moi au 7ème ciel, petite catapulte. Alors, maintenant... Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Oula, j'ai cherché la touche. Donc, maintenant... est-ce que c'est cette plateforme qu'il faut... Il s'est passé quoi avec le Goomba, là? Et là, attention. Et... Voilà, vous savez comment spawn un Goomba, maintenant. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi? Attendez, j'essaie de réfléchir parce que je sais pas comment on peut faire en sorte que de grimper à l'intérieur même de cette plateforme. Ah. Oui, oh là là, oh la technique de PGM. C'est ça, en fait, ça a porté ses fruits. J'ai bien fait de prendre mon temps, sinon j'aurais jamais trouvé. Donc là, bien sûr, faut pas faire l'erreur. Et voilà. Sans casquette de Luigi, en fait, je me dis que si on avait la casquette de Luigi, ça aurait été trop facile. C'est pour ça que la casquette de Luigi ne se trouve pas dans cette partie-là du niveau. Je viens de comprendre, maintenant. Monde trempé, séché. Trempe sèche. Je me suis toujours demandé si le monde s'appelait trempé, séché ou trempe sèche. Je sais pas... Enfin, j'ai toujours dit... C'était pas ça? C'était pas celle-là, l'étoile? Séance précédée paix. Attendez. Si c'est pas cette. L'étoile d'avant c'était. Ah, je sais, c'est bon, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, c'est bon. En fait, il y a un canon qui se trouve là-bas, au haut de l'escalier, enfin, au haut de la petite pente. Et on va devoir aller à l'étoile, en fait, parce que. J'ai vu l'étoile au milieu de la carte, je pensais direct que c'était celle qui était dans la cage, mais non. C'était pas celle-là du tout. Enfin, au moins on a gagné du. Merde. Monsieur le bonbombe, notre ami le bonbombe, il est où? Où est-il? J'ai tant besoin de lui. Ah bah il est là. Ah j'aime bien, il y a les plateformes qui nous montrent directement le chemin, ça c'est sympa. Allez, prépare-moi le joli canon. J'adore la voix, j'adore le petit bruit qui pousse le bonbombe, c'est le bonbombe rose bien sûr. Ils sont marrants. Là. Voilà, demi-tour caméra s'il vous plaît. Oups. On a absolument rien vu. Vous savez que même dans l'eau, ces petites boules noires là, elles peuvent nous électrifier. Ouais, même dans l'eau, c'est possible. Et regardez-moi ce décor, cet arrière-plan. N'est-ce pas magnifique? Je sais pas ce que ça représente. Ça représente une cité sous-marine. Peut-être que c'est l'Atlantis, on sait pas, théorie du complot, Illuminati, tout ça, toi-même, tu sais.
que... Elle s'est pas passée loin. Hein. Donc vous vous demandez ce qu'il y a derrière cette grille. Hein. Vous le saurez tôt ou tard. Donc, est-ce que je vais terminer l'épisode là-dessus ou... Non, je suis à peu près 15 minutes de vidéo, donc... Non, je vais prendre mon temps. C'est pas hyper grave, de toute façon, j'aurais peut-être fait une ellipse, il fallait mettre beaucoup de temps pour retourner au canon, mais... Il y a juste une petite nage à faire, c'est un petit dos crawlé, un petit papillon, une petite brasse, tout ce que vous voulez, la nage que l'on veut. Voilà, petite leçon de natation pour Mario, ça ferait pas de mal. Et... Oula, Mario, qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes, tu prends les bonnes décisions, et après on en parle. Donc tout à l'heure on était haut comme ça. Ça devrait suffire. Et c'était pile la bonne hauteur pour que je m'accroche. Un pixel en dessous, je pense que je serais passé en dessous. Ou alors, je me serais cogné contre la plateforme. Ça dépend de la hitbox. Alors, petite gorgée d'eau. Voilà, très discret, bien sûr. Alors, on va se faire une petite dernière ou pas? Ouais, une petite dernière, bien sûr. Cela va de soi. 5 secrets de haut en bas. Ah ouais, c'est vrai. Faut trouver les 5 secrets. Mais j'ai pas envie. J'ai envie d'aller ailleurs avant. Parce que les 5 secrets, ça va nous prendre peut-être pas mal de temps. Donc je préférerais faire ça. Voilà, c'est mieux. Dans l'épisode après. Parce que ça va prendre du temps. Le temps que je trouve les 5 secrets. J'ai une petite idée de 3 d'entre eux. Après les 2 derniers, je sais pas. Je n'ai pas la moindre idée d'où ça peut se trouver. Donc. On va se focaliser là-dessus. Oh, c'était parfait. C'était parfait. Le pile le bon angle. Mais à chaque fois, j'ai l'impression. Avec le canon, j'atteins mon objectif, mais à un poil de cheveux, quoi. À un poil de cheveux de différence, ça aurait été chaud. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, là, il y avait un niveau souterrain. Parce que même sous l'eau, même dans une cité sous-marine, il y a un souterrain sous-marin. C'est souterrainception, tu vois, ça devient n'importe quoi. Après, là, on va voir le petit village enfoui sous l'eau. Donc vous avez peut-être remarqué, j'adore les milieux aquatiques dans Mario, c'est toujours sympa à voir. Il y a toujours des idées intéressantes. Et là, bien sûr... Est-ce que c'est là pour Oui, c'est bien là. Parce que là. Parce qu'un autre truc pour relever le niveau d'eau qui se trouve en haut. Et souvent je confondais. Voilà. On va avoir besoin de Missy et Luigi. Est-ce que attendez. Ma casquette. Oh là là. Putain, ça m'énerve les patineurs, j'arrive jamais à les frapper. C'est pas l'envie qui me manque, mais ils m'esquivent trop souvent. Nanana. Viens ici. J'aurais préféré des pièces, je te le cache pas. Donc là, on va voir que... Dans ce niveau, il y aura des pièces rouges, mais on s'en occupera. C'est pas possible. Tout ce que je veux, c'est te casser la gueule, mon pote. Voilà, c'est beaucoup plus simple. On est d'accord. Non, par contre. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Hop. On va directement aller chercher notre ami l'étoile. Et ben voilà. Je pense que je vais terminer mon épisode là-dessus. Ouais, il y a presque 20 minutes. Donc, bah voilà. On a récupéré combien d'étoiles? Je sais plus, mais on a récupéré peut-être au moins 5. Donc voilà, on est bon les amis, j'ai envie de dire. Donc bah moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos en ma compagnie. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao!